Vous entendez? Vous entendez? Il me répond. C'est lui, Wolfgang Amadeus Mozart, l'homme qui nous a transmis la musique des cieux. Quel homme de génie! À 6 ans, il achève son premier concerto. À 11 ans, son premier opéra. Il voyage alors dans l'Europe entière. Il est adulé, célébré. À 17 ans, maître de chapelle à la cour de Salzbourg, il est plein d'espoir et de projets. Mais soudain, son destin bascule. Le prince archevêque, son protecteur, meurt, et le terrible et austère Colloredo s'empare du pouvoir. De Salzbourg, le prince Sigismond est entre les mains de Dieu. Faites hommage à son Altesse Sérénissime, Hieronymus Colloredo, votre nouveau maître. Mozart, approchez. Quel est ce torchon? Votre fils me demande un congé pour vous deux. Il veut courir le monde et donner des concerts. Si du haut de ses 17 ans, ce jeune prétentieux estime le travail à mon service indigne de son talent, eh bien, qu'il démissionne. Et vous avec?
Démissionner, Votre Altesse, mais c'est impossible. Comment vais-je nourrir ma famille ? C'est votre affaire. Votre demande de congé. Et je vous annonce également la fermeture définitive du Théâtre National de Salzbourg. Ainsi, jeune homme, vous pouvez oublier vos rêves chimériques d'opéra en allemand. Désormais, contentez-vous d'honorer les travaux que je commanderai. Père, je n'ai pas le choix. Il faut partir. Partir ? Mais c'est impossible. Colorido a refusé mon congé. Je ne peux t'accompagner. Je pars. Seul. Tu n'en es pas capable. Oh, papa, je t'en prie. Écoute-le. Père, il y va de ma vie. Wolfgang, je t'ai dit non. Arrêtez tous les deux. Léopold, s'il le faut, je pars avec lui. Quoi ? Toi, quitter la maison ? Enfin, tu n'as jamais voyagé. Eh bien, il y a un début à tout. Oh, maman a raison. Wolfgang, tu pars avec ta mère. Mais veille bien sur elle. Elle est pour moi ce qui compte le plus au monde.
Et toi, mon enfant, trouve une situation, et vite. N'oublie pas qu'un musicien sans emploi n'est qu'un vagabond, un saltimbanque méprisé de tous. Papa. Merci, papa. Merci. Wolfgang. Merci, tu verras, papa. Tu seras fier de moi. Je composerai les plus beaux opéras. Je dirai au monde entier que c'est pour mon père, qui est le meilleur des pères. Monseigneur. Monseigneur, les Mozart ont quitté Salzbourg ce matin. Comment? Le père et le fils? Non, votre Altesse, Mozart jeune, seulement accompagné par sa mère. Ah oui? Oui. Et sait-on où il compte se rendre? Eh bien, on dit qu'il se dirige vers Mannheim, sire. Partez sur l'heure pour Mannheim, mais informez de ma part le prince Karl Théodore du comportement de cet insensé. Je ne veux pas! Il ne faut pas, vous m'entendez? Absolument. Qu'il obtienne ailleurs un emploi qu'il me refuse ici. Mais majesté, vous perdez là le meilleur musicien de votre cour. Oh! Et un très grand compositeur, il faut bien l'avouer. Qu'il aille au diable. Eh bien. Je détestais sa musique. Absolument, absolument. Ça continue. Au revoir, Francfort. Laissez vos déboires à la porte. Ici on sait noyer les amours mortes. Cœur en berne, prend verre en main. À la taverne de l'art divin. Taisez vos satanées complaintes. Et chantez donc à la gloire de l'absinthe. Mordicus, trinquez sans peur. Bacchus et Dieu dans ma demeure. Bonsoir, comment ça va? Bien? Oui, très 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 bien. Bon, faites comme chez vous, mais n'oubliez pas, vous êtes chez moi. Santé. Pile au rendez-vous, hop, du bonheur. Tu seras bienvenu, quelle que soit l'heure, avec moi. Moi, bien plus que tu ne dois. C'est ça. C'est non pour tout ce que tu as. Lève le coude, tiens bon la barre. Tout oublié, c'est pas la mer à boire. Bois bien plus que tu ne dois. C'est non pour tout ce que tu as. Je laisse mes déboires à la porte. Je viens noyer mes amours mortes. Bois bien plus que tu ne dois. C'est non pour tout ce que tu as. Avec moi. Bois bien plus que tu ne dois. L'enfant. C'est non pour tout ce que tu as. Dankeschön, merci beaucoup. Passez une bonne soirée, gars. Bonsoir, la compagnie. Voici notre petit génie. Messieurs les musiciens, voici vos partitions. Voilà. Eh alors, patron, on se la boit cette dernière tournée, là? Mais bien ouais. Sûr. Oh non, Wolfgang, ça suffit. Maman, nous allons boire mon premier concert ici, à Mannheim. Ah, ça va mieux. Vive Mozart et vive la musique. Ouais. Hey, l'artiste, là, je trouve bien sûr de toi, moi. C'est toi qui t'es fait renvoyer de Salzbourg, non? Mais monsieur, mais qui vous permet? Maman! C'est vrai, ça, hein? Monsieur le saltimbanque. Ici, tout le monde sait que Colorado s'est débarrassé de toi. Il n'a pas été renvoyé, monsieur. Non, c'est lui qui est parti. Ah ouais, sans blague! Parfaitement. Et ici, à Mannheim, je composerai un grand opéra. Et en allemand. Vous entendez ça? Un opéra en allemand. Pourquoi pas en français, tiens? Ou en chinois? Apprends, petit jeune homme, qu'ici, on a du goût et que nous savons tous qu'il n'y a de bon opéra qu'en italien. Et moi, je me fous de votre bon goût et de vos préjugés. Inquisiteur, citoyen, gardien de si du bien commun. Un trublion, un homme merdeur. Mais si elle est juge, elle me cure. Non, je n'ai cure de vos assises. Je suis assise sur vos bras.
Fils, à moi le musicien. Bravo. Merci. Comment? Ah, je dis bravo. Oh, qui êtes-vous, monsieur? Je me présente, Fridolin. Fridolin Weber, copiste du théâtre de la ville. Justement, en ville, on parle beaucoup de votre fils, madame. Son jeune talent semble prometteur. J'ai donc décidé de l'aider. De l'aider, mais à quoi, monsieur? Eh bien, je propose à l'avenir de copier gratuitement toutes ses compositions et bien évidemment de vous aider à les diffuser. Oh, monsieur, mais comment vous remercier? Bon, écoutez, faites-moi juste le plaisir de venir chez moi prendre un chocolat. Oui, avec votre maman, voilà. Ce sera un plaisir de vous présenter ma famille, nous causerons. Monsieur, nous logeons derrière l'église. Je compte sur vous, madame. Wolfgang, cet homme ne me dit rien qui vaille. C'est trop beau pour être vrai. Alors? Ma chérie, j'ai fait comme tu me l'avais demandé. Ah. Eh bien, il vient, il accepte. Oui, ma Cécilia, je te l'amène. Et sa mère? Ah, elle vient aussi. Ben oui, j'en ai bien peur. Je t'avais dit pas avec elle la première fois, elle va tout faire rater. On peut rien te demander, hein. Eh, hey, mais c'est aussi ton boulot de l'amadouer. Justement, moi, mon boulot, je le fais. Hein? Tiens, regarde. Oh! L'invitation! Oh, oh, comme ça sent bon! Un vrai parfum de réussite! Notre fille, invitée pour une semaine de concert à chanter devant la princesse d'Orange, Aloysia Weber, prima donna! Oui, mais maintenant, comment convaincre ce Mozart de composer pour elle? Préparons-leur une petite réception de notre façon. Mesdemoiselles! Entrez! Mais entrez donc! Oh, merci. Merci d'être venue. Laissez-moi vous présenter ma femme, Cécilia. Enchantée, madame. Madame? Ah, voilà donc le fameux monsieur Mozart dont mon mari m'a tant parlé. Mes filles, Sophie, Josepha et Constance. Constance, viens saluer, s'il te plaît. Oh, pardon. Mettez-vous à l'aise. Sophie? Oui, maman. Veux-tu bien servir une tasse de chocolat à Anna-Maria? Anna-Maria. Et vous, Wolfgang, je crois, voulez-vous... Merci, non. Constance, cesse immédiatement de chanter cette idiotie. C'est pourtant charmant. Dis donc, tu sais ce qu'elle te dit, maman? Ça suffit, Constance! Cher Wolfgang, je me suis laissé dire que vous étiez jadis un jeune prodige. Oh. Il paraît même que votre père vous faisait jouer du piano les mains attachées dans le dos. Mais non, les yeux bandés. Ah. Madame, je suis musicien, pas magicien. Je suis une femme, mi-lune, mi-homme. Une anagramme, un erratum. On me dessine, on me façonne. Je vous fascine, ça vous étonne. J'ai le cœur qui syncope, l'adrénaline me dope. Sous
Je suis un songe, un ectoplasme, juste un mensonge, un pléonasme. Je reste de glace face à un faux spasme. Je ne trouve pas ma place dans vos fantasmes. Sous mon masque de fer, des larmes qui lacèrent mes anciennes blessures. Je brûle de vous rencontrer. Mademoiselle, votre chemin m'a bouleversé. Oh. Votre voix est si pure, si douce. Oh. Mais je vous en prie, ne soyez pas cruelle. J'ai encore tant à apprendre. Surtout pas. Ah, justement, mon cher Wolfgang. Notre Aloïsia est invitée dans une semaine à la cour de la princesse d'Orange pour donner quelques concerts. Et la pauvre ne dispose que d'un maigre répertoire. Monsieur, accepteriez-vous de me donner quelques cours ? Oui. Oh. Oui, je suis prêt à vous aider. Et composer pour vous les plus belles symphonies. Wolfgang ! Papa, peut-être que Monsieur Mozart pourrait nous accompagner au château de la princesse ? Mais oui, bien sûr, ainsi vous pourrez diriger votre propre musique. Mais oui, quelle bonne idée, n'est-ce pas, madame ? C'est que... Voyons, Wolfgang, mais nous ne pouvons quitter Mannheim en ce moment. Pense à la commande de ton opéra, pense à ton emploi auprès du prince. Mademoiselle, nous pouvons commencer dès maintenant. Bon, eh bien, je rentre à l'hôtel et je vais écrire à ton père. Et tu sais ce qu'il pensera de tout ceci. Ah, ne me touchez pas. Mais il n'y a aucune chance, madame. Constance, s'il te plaît. Plaît-il ? Eh bien, la place. Oh ! Votre Altesse. Eh bien, mon grand, elle est parfaite. Mais regarde-le, il est fasciné. Ah oui, ça vraiment, elle est parfaite. Toi, t'as rien demandé. Mais dis-moi, tu ne le trouves pas un petit peu bizarre tout de même ? Mais non, c'est l'émotion, voilà, c'est ça, c'est l'émotion. Et puis, on lui demande pas de l'épouser non plus, hein. Allez, laissons-le. À vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. Depuis que j'ai vu Wolfgang me regarder d'un air tendre, mon cœur dit à chaque instant, peut-on vivre sans amour ? Il rougit et par malheur, un soupir trahit son cœur. La cruelle avec adresse profite de sa faiblesse. Hélas, maman, un faux pas le fait tomber dans ses bras. Mon cher mari, tous nos espoirs sont déçus.
Le prince nous a définitivement fermé sa porte et depuis que Wolfgang est tombé sous le charme de cette Aloysia Weber, plus rien d'autre ne compte. Je t'en supplie, écris-lui de toute urgence et rappelle-le à l'ordre. Bonsoir, maman. Oh, petite maman. Wolfgang, mon chéri, il faut que je te dise. Nous avons répété toute la journée, tu sais. Aloysia est surprenante. Oui. Oh, elle est merveilleuse. Certainement, mais écoute-moi, Wolfgang. Mais je t'écoute, maman. Dis, il faut préparer les malles. Nous partons demain chez la princesse d'Orange. En plus, je t'assure, le concert. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Il y a que nous n'avons plus rien à faire à Mannheim. La commande de ton opéra est ajournée. Et ta demande d'emploi, rejetée. Ajournée. Rejetée. Eh bien, tant pis! Mon avenir, c'est Aloysia. Elle sera ma muse. Et je serai son poète. Tu perds la tête, mon pauvre petit. Aria, pour ma sublimissime Aloysia. Ah, mia speranza adorata. Mademoiselle, mais comme c'est plaisant, mes amis, voici un bien joli couple en vérité. Eh bien, mais qu'est-ce que tu attends? Va lui parler. Mais enfin, ma chérie, pas comme ça devant tout ce beau monde. Mes amis, après la musique, la danse, que l'on ouvre le bal. Votre Altesse, je suis le père de la chanteuse Aloysia Weber. J'aimerais solliciter de votre bienveillance une recommandation. Allô, monsieur Mozart, venez donc avec moi. Oh, votre Altesse, elle rêve d'entrer à l'opéra. Votre soutien serait des plus importants pour nous permettre de la présenter. N'ici pas, là, ça se passe, dépêche-toi. J'ai entendu dire que vous composiez un opéra en allemand. Oh, racontez-moi, est-ce que c'est une histoire d'amour? Oh, votre Altesse, si vous aviez la gentillesse de bien vouloir m'écouter. Oh, oh, une si belle occasion gâchée. Décidément, tu es lamentable. Mais enfin, ma petite Caille, tu vois bien, elle ne m'écoute pas. Tais-toi, pauvre idiot. Tu n'as jamais été capable de faire quoi que ce soit de bien pour ta fille. Voilà. Oh, t'es injuste. Fridolin, qu'est-ce que tu fais? Reviens ici tout de suite. Fridolin, Weber. Tu ne me félicites pas? La partie serait trop belle. Mais qu'est-ce qui te dérange? Est-ce que vous pouvez m'énerver tous les deux? Toi avec tes grands airs de diva. Et Wolfgang avec ses soupirs de benêt perdu d'amour. Tu es jalouse. Jalouse, moi? Mais oui, jalouse, tu le dévores des yeux. En tout cas, moi, je ne me moque pas de lui. Mais je ne me moque pas. Nous travaillons ensemble, c'est tout. Non, tu l'utilises. Lui, il est sincère, pas toi. Mais pourquoi s'en faire de mannequin? Voleront en l'air six pieds sous terre. En attendant, tu m'exaspères, petite garce sous tes grands airs. Na 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 na. T'es bonne à vivre avec les sœurs. Regarde la gueule de ton bonheur. Mais c'est à toi-même que tu mens. Avec ta morale de bigote, tu prends ton pied quand tu...
biscotte. La princesse d'Orange a accepté de renouveler votre engagement dont votre chant lui a plu. Oui, mais de ça, j'en étais sûre. Oh, du fond du cœur, je vous remercie, Wolfgang. Eh ben, tu vois, mon grand, c'était pas si difficile. Wolfgang ? Wolfgang ! Maman, qu'est-ce que tu fais là ? Tiens, c'est pour toi. Hein ? Pour moi ? Oui, une lettre de ton père. De bonnes nouvelles, au moins ? Sans égard mon passé que tu enterres. Demain tu diras pourquoi n'ai-je pas vu les pièges. Emporte dans mon Dieu ma neige. Des rancœurs, des frayeurs, des malheurs au cœur de l'amour amer. Des nuits noires, des déboires à la gloire, des plaisirs éphémères. J'ai beau prêcher dans le désert, comment et part pour Paris. Et vite, c'est à Paris que tu trouveras l'honneur et le succès. Fais reconnaître ton talent qui est grand. Alors seulement tu pourras revenir vers Mademoiselle Weber. Wolfgang, paye-moi!
Aloïsia. Aloïsia. Je dois vous quitter. Me quitter? Oui, dès demain. Mais, et nos concerts? Je ne sais pas. Vous chanterez sans moi. Wolfgang, que vous arrive-t-il? Je dois quitter Mannheim et partir pour Paris. Comme ça, tout de suite? Mais voyons, réfléchissez. Et Aloïsia, et tous nos projets. Enfin, madame, expliquez-nous. Non, non, c'est tout. Je pars. Aloïsia. Je ne serai pas long, tout au plus. Quelques mois. Quelques mois? Mais enfin, mais c'est une éternité. Une vie entière, non. Non, vous ne pouvez pas partir, non. Non. Ah! Mais tu vois, ma petite cruche, cette fois-ci, tout est à l'eau. Espèce d'imbécile! Aloïsia. Aloïsia, écoutez-moi. Non, mon père a raison. Aujourd'hui, je ne suis rien. Mais non. À Paris, je m'imposerai. Je ferai fortune pour être digne de vous. Oh, non, je vous en supplie. Aloïsia. Je vous aime. Je vous aime. Ne m'oubliez pas. Non. Adieu. Je vous déteste. Je vous déteste. Je vous déteste. Je viens m'inviter dans ton lit. Laissons dormir les maris. Allons nous aimer. On est des braves gens. J'apprendrai ta langue et ton accent pour te comprendre. Je serai frivole et décadent pour te surprendre. Toutes mes luxures
Maman. 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 Réveille-toi, maman. Je ne me sens pas très bien, mon petit. À l'aide. Je vais chercher un médecin. À l'aide. À l'aide. C'est pour ma mère, elle a eu un malaise. S'il vous plaît, je n'ai pas d'argent sous moi, mais je vous paierai. Je vous en supplie, aidez-nous. Wolfgang, où es-tu? Tout est noir. Je n'y vois plus. Je suis là, maman, ne bouge pas. J'ai demandé un médecin. Un médecin? Et comment vas-tu le payer? Nous n'avons plus rien. Non, 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 maman. Un ami du baron Grimm, il m'a commandé une sonate. Il m'a promis une solide avance, tu verras, maman. Ne mens pas, Wolfgang. Je sais bien que le baron Grimm n'a rien fait pour toi. Et que Paris t'a fermé toutes ses portes. Pars, mon petit. Quitte cette ville maudite et rentre chez nous. Tu prendras soin de ta sœur, n'est-ce pas? Pourquoi tu dis ça, maman? C'est toi qui en prendras soin. Promets-moi de ne pas en vouloir à ton père. M'enlève-toi. Il t'aime, tu sais. Et dis-lui bien. Oh oui. Dis-lui. Dis-lui. Maman, tu dis n'importe quoi. Allez, viens, on va rentrer à l'hôtel. Désormais, on part pour Salzbourg. Je te promets, maman. Maman, je t'en prie. Non, non. C'est pas Wolfgang Mozart. Mon Dieu, Wolfgang? Oui, quelle joie de vous retrouver. Je rentre juste de Paris. Vous savez, j'ai tout. Mais quel est donc cet accoutrement? Vous êtes donc engagé comme domestique? La musique ne vous plaît plus? Mais si. Oh, ne me dites pas que vous portez la dernière mode de Paris. Ma mère est morte. Ce sont mes habits de deuil. Oh, que c'est dommage.
Enfin, je veux dire, c'est terrible. En tout cas, c'est affreusement laid. Il faudra penser à vous changer. Et vous coiffer aussi, hein? Alicia, vous savez, à Paris, je ne pensais qu'à vous. C'est vrai. Tenez, je vous en ai rapporté cette aria. Oh, mais c'est que des mois sont passés. Et depuis, j'ai été engagée à l'opéra. L'opéra? Oui. Oh, et je croule sous les meilleures partitions. Aloïsia. Non, Aloïsia. Je suis là devant vous. Prêt à vous servir. Je veux partager votre vie. Je veux vous épouser. M'épouser? Oh. Oh. J'ai oublié de vous présenter Monsieur Joseph Lange. Monsieur. Nous allons nous marier. Bon retour à Salzbourg. À l'occasion, quand vous repasserez par Munich, venez donc nous voir. Et surtout, remerciez bien votre cher père. Je manque de
dans le pire de ma À Vienne, je vais enfin vivre parmi les musiciens. Jouer dans les salons, composer pour les princes. Non, et... non, Wolfgang, tu n'y vas pas pour ton plaisir. Mais seulement pour accompagner Coloredo, sacre du nouvel empereur. Ne l'oublie pas et contente-toi de lui obéir. Père, Vienne est une nouvelle chance pour moi. Une chance. Pauvre Wolfgang, tu as déjà eu toutes les chances, et tu les as toutes ratées. Tes voyages, tes rencontres, tout. Jusqu'à ta pauvre mère, ce que tu as négligé. Oh non, non. Tu l'as laissé mourir. Non. Tu m'as arraché la moitié de moi-même. Père. Toute ma vie, j'ai travaillé dur pour que tu sois fier de moi. Si je t'ai déçu, j'en suis désolé. Mais aujourd'hui, je ne veux plus continuer ainsi. Wolfgang. Cela fait 3 ans que je supporte les brimades et les humiliations de ce tyran. Wolfgang. C'est fini! Cette fois, je vais à Vienne pour moi, pour ma musique. Non, Mozart, vous êtes ici à Vienne à mon service. Et je vous interdis de vous produire ailleurs que dans ma maison. Mais votre Altesse, je voulais juste vous demander la permission. Retournez aux cuisines. Votre place est parmi les domestiques. Si le maestro veut bien s'asseoir. Le dîner est servi. Alors, faux frère, tu n'apprécies pas notre compagnie? Mais c'est qu'il est délicat, le musicien. Maintenant, tu vas boire à notre santé. Allez, bois. Petit poltron veut devenir grand. Grand. Mais il reste assis. Petit bouffon insulte le sultan. C'est pas bien. Mais il est puni. La vie est un jeu, mais ça dépend pour qui. La vie est un jeu, surtout. La vie est injuste et c'est pour ça qu'on rit. Chez les grands, les puissants, les pourris. Mon cher frère, c'est lamentable. Je sais que ta vie à Vienne est un enfer. Rendez-vous. Mais je t'en prie, Wolfgang, tiens bon. Dépêche-moi, je t'ai dit. Vous annulez nos répétitions. Je ne veux pas faire de vous. Mais il est sourd, il est sourd. Aimons-nous les uns les autres. Comédie, tragédie.
seigneur des petits esprits. Regardez-moi bien une dernière fois. Moi, Wolfgang Amadeus Mozart, je vous remets dès ce soir ma démission. Vous entendez, mon prince? Je suis libre. Libre! Libre! Aux courtisans qui baissent les pieds des hommes les mieux chaussés. Je me ris de leur vie de punaise écrasée. Que se taisent les futiles fadaises qui brillent en belle société. Je suis fort à mon aise dans les cris de l'aise majesté. Nul n'est ici bas. Être des hommes dignes de foi. Place, je passe, je suis roi de mes rêves, souverain des libertés. Osez, rendez grâce à ce fou qui se lève. Place, je passe, je suis roi de mes rêves, souverain. Un opéra en allemand, mais c'est une ineptie. Ah, oh, monsieur l'intendant Rosenberg, je ne partage pas votre avis. Une hérésie, vous dis-je. Psst, taisez-vous, vous m'énervez. Enfin, vous imaginez des chanteurs de faubourg sur la scène du théâtre impérial. Salieri, mon ami, vous imaginez, par exemple, Ich bin mein Fräulein, oh, wie dosen wunderbar. Ça ne veut rien dire, comprenez. Sa Majesté, ah. Joseph II, soleil incandescent, oh, c'est bon, mon ami, Tirol. C'est bon. Messieurs, bonjour, suivez-moi. Votre Majesté. Ah, nom d'une pipe. Bien, je vous écoute. Votre Majesté, laissez... Psst. Laissez-moi vous présenter Monsieur Gottlieb Stéphanie, Majesté, qui vient vous remettre le livret de l'opéra que vous avez commandé et dont il est l'auteur. Mettez-vous en place tout de suite. Allez. Oui, pardon. Majesté, je vous en prie. On se retire du rythme. Oui, oui, rythme, oui, oui. Rythme. Coucou. Majesté. Voilà, voilà, voilà. L'enlèvement au sérail. Oui, Majesté. Oh, quel curieux titre. Livre. Majesté, il s'agit là d'un divertissement, d'une turquerie pleine de rebondissements, sire. Fort bien. Et à qui comptez-vous confier la musique de notre opéra, monsieur? Eh bien, alors là, j'ai fait appel à Wolfgang Amadeus Mozart. Oui, certes, c'est un jeune compositeur, mais enfin, tout Vienne ne parle plus que lui. C'est Mozart par-ci, c'est Mozart par-là. Un jeune et cervelé, votre majesté, qui clame partout. Mais alors, partout, ne vouloir composer que pour l'allemand. L'allemand, l'allemand. Eh bien, pour l'allemand, justement, sire. Je pensais que ce choix vous convient. Qu'est-ce que pas... Dites-moi, Salieri, qu'en pensez-vous? Oh, bon, alors là, Salieri, on n'est pas rendu.
Un jeune et cervelé, votre majesté. Mais infiniment. Oui, enfin, ça va, ça cependant, on ne peut nier sa jeunesse et son inexpérience. Ah, merci quand même. Ça y est, c'est reparti. Que se passe-t-il? Problème gastrique. Messieurs, la chose est entendue, nous choisissons Mozart. Oh, oh majesté, je suis... Rosenberg, oui. Alors vous suivrez cette affaire de près. Bien, votre majesté. Ah, vous en serez le garant. Monsieur l'intendant. Absolument, absolument. Ah, et maintenant, fixons le jour de la première. Ah, il a choisi Mozart. Il a choisi Mozart. Il a choisi Mozart. Ça y est, ça y est, ça y est. Pardon. Elle a fini, Maria Carré, ça y est. Pardon, dis donc, je le fais. Oh, mais si, Josepha. Oui. Oui, maman, s'il te plaît. Oui, maman. Tu penseras à changer les draps de la chambre du deuxième étage. Constance. Constance. Oui, maman. Les chemises de Monsieur Hofer, elles sont prêtes? Oui. Eh bien, dépêche-toi, il attend pour partir. Merci, alors 2, 4, 6 et 8, le compte est bon. Alors, ces chemises! Oui, oh. Ah, tout de même! Tenez, excusez-moi, les voilà. Eh ben, disparaissez! Oh! Eh bien, Constance, il reste du travail. Mais j'en ai assez! Assez de trimer comme une femme de chambre! Pourquoi n'engages-tu pas une gouvernante? Et l'argent pour la payer, tu le trouves où, petite dinde? Depuis que ton père est mort et que ta sœur est mariée, je vous l'ai dit, va, je me tue à la tâche. Et toi, toi, tu as des fatigues, des états d'âme. Oh, vraiment, je me demande si un jour tu auras un peu de plomb dans la cervelle. Yeah.
Wolfgang qui nous rend visite. Ma foi, mais c'est bien lui. Monsieur le lâcheur, monsieur le fugueur. J'espère au moins que vous regrettez de nous avoir abandonnés à Mannheim. Oh, Madame Weber, je le regrette profondément. Oh, mais c'est oublié. Aloïsia est remise, bien mariée, célèbre, et même, elle attend un enfant. Un enfant? Oui, je vais être grand-mère. Mais que nous vaut l'honneur de votre visite, maestro? Eh bien, je voudrais louer une chambre. Non, mais pas de problème. Mais attention, pas d'écart. J'ai trois filles, ne profitez pas de la situation. Il n'y aura pas de deuxième Aloïsia. Et quant à moi, n'y pensez pas. Vous n'êtes pas du tout mon genre. Oh, nous savons tout de vous. Que vous avez claqué la porte au nez de Colorado. Oh, que sa majesté vous a commandé un opéra. Et que vous n'êtes toujours pas mariée. Oui, fille, laissez-le respirer. Vous êtes bien pâle. Nous allons prendre soin de vous. Excellence, nous y sommes. Oui. Mais peut-être pourriez-vous repasser dans un instant. Je ne suis pas sûr que l'instant soit déjà... Que se passe-t-il encore? Les répétitions n'ont pas commencé. Oh mais si, 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 on en a vu depuis. Mozart est là. Pardon. Mozart est là. Mozart n'est pas là. Mozart est là. Mozart n'est pas compris. Attendez. Maestro, vous tombez bien. Oh mon Dieu. Salieri, ne regardez pas cela, je le savais, nous aurions dû venir beaucoup plus tôt. Monsieur Stéphanie. C'est moi. Lequel est Mozart? Constance, tu m'avais promis ce baiser. Eh bien, viens le prendre. Maestro Mozart, nous sommes prêts. Nous vous attendons. Eh bien, mademoiselle Cavalieri, pour une fois, c'est vous qui m'attendrez. Non, mais c'est pas... Oh, bon, allons, silence, et on travaille. Annoncez-nous, vous dis-je. Nous allons prendre l'arrière numéro 10, s'il vous plaît. Je compte une mesure pour rien. Mozart. Monsieur l'intendant Rosenberg et moi-même sommes ici à la demande de l'empereur. Et pour juger de votre travail, ce que voyant, je comprends qu'il s'inquiète fort du résultat. Oh bah oui, parce que c'est une vraie pantalonnade, une vraie mascarade. Et comment pouvez-vous juger d'un résultat ou de mon travail sans en avoir entendu la première note? Ah oui, alors des notes. Trop de notes! Alors il paraît que votre partition est truffée de difficultés insurmontables, injouables, Je ris. Trop de notes. Oui, c'est ce que je viens de dire à l'instant, oui. Qui rapporte de telles bêtises, monsieur? Si ce n'est votre préjugé! Ceci est un outrage, monsieur. Et je n'en supporterai pas davantage. Alors à vous, revoir. Salut, Rie. Oh mon Dieu, arrête! Vous foutez de moi? Non, c'est lui. Ah oui, vous foutez de moi. D'ailleurs, à ce propos, approchez, Mozart, j'ai quelque chose à vous dire. Mais en toute amitié, je vous déteste. Mais alors, je vous hais. Bien sûr, ça reste entre nous. Hein. Je peux? S'il vous plaît. Je l'aurai un jour. Prêt? Je l'aurai, Salieri. Bravo, mon jeune ami. Bravo. Très réussi votre petit éclat. Pourvu que votre musique soit à la hauteur de votre prétention. Attendez, Salieri! Maestro Salieri. Eh bien, vous êtes musicien, paraît-il. Paraît-il. Voilà.
Moi, je n'en ai pas besoin. Mozart. Entendez mon conseil. Restez bien à votre place. Et tout ira bien entre nous.
danse. Va fille. Yeah. Pouchi pouchi, mon amour. Constance. Tu vas me le donner ce baiser maintenant. Mon Dieu, les scélérats. Maman. Ah, mes mignons pris sur le fait. Quelle honte. Cécilia. Maman, madame, quelle terrible méprise. Vous m'aviez donné votre parole. Non, justement, je vous... Vous avouez, Wolfgang, vous êtes notre ruine. Oui, notre ruine. Vous vous êtes affichés ensemble avec une telle impudeur. D'où viennent va nous montrer les doigts, voilà. Tant d'efforts, de sacrifices, pour voir ma fille, ma petite Constance, déshonorée. Dieu merci, ton père n'aura pas vu cela. Maman, comment oses-tu? Toi, tais-toi, rentre immédiatement. Jamais! Petite peste! Oh. Bon, je pense qu'il vaut mieux que je parte. Dis donc, jeune homme, vous ne pensiez tout de même pas fuir? Moi, fuir, mais bien au contraire, ah, si vous tentez de disparaître, nous ferions appel à la force publique. La force publique? Non, mais qui êtes-vous, monsieur? Je suis le tuteur de cette pauvre enfant. Merci, mon ami, d'être venu si vite. Monsieur le débauché, vous allez réparer dans l'honneur tout le mal que vous avez fait à cette famille. Et comment le puis-je, monsieur? Monseigneur, ceci. Une promesse de mariage en bonne et due forme. Une promesse de mariage? De mariage. Mmh. Mais mon père refusera. Ah, le filou, voilà qui nous refait le coup du père. Vous devez vous engager à épouser mademoiselle Constance Weber ici présente. On a les 3 ans à venir. En cas de non-respect de l'engagement, vous devrez verser à madame Cécilia Weber 300 florins. 350. 350 florins. Voilà, ça c'est bien ça. Tout est-il bien clair? Ce qui est clair, c'est que votre piège est bien ficelé. Merci. Madame, oui, mes compliments. N'insistez pas, Mozart est signé. Papa, écoute les nouvelles. À la demande de Sa Majesté, Monsieur Mozart a commencé les répétitions de l'enlèvement au sérail. Nul doute que cette œuvre prometteuse recevra l'accueil chaleureux du public viennois. Oh, papa, ça y est, notre Wolfgang va devenir célèbre. Mais pourquoi fais-tu cette tête? Ton frère m'écrit pour me demander l'autorisation d'épouser Constance Weber, la sœur d'Aloysia. Il s'est encore fait harponner par une fille de cette maudite famille. Maudite famille, que dis-je? Un élevage. Mais jamais, tu m'entends? Jamais, moi vivant, je ne le laisserai l'épouser. Jamais! Mais papa, je ne te comprends pas. Je suis sûre que Constance est sincère. Oh. Et si Wolfgang l'aime? Pourquoi veux-tu l'empêcher d'être heureux? Elle veut tout son talent, les envolées grandioses, les grands retournements sous sa baguette virtuose. Que le musicien ose. Je veux des sacrements, un air d'opéra rose, l'amour au firmament. Et des cœurs qui se superposent. L'apothéose. Et quelle outrecuidance! Je ne peux imaginer que vous soyez complice de cette machination montée par votre mère. Le croyez-vous vraiment? À présent, je doute de tout. Wolfgang, vous êtes la personne que j'aime le plus au monde. Si un jour vous décidez de m'épouser, je ne veux surtout pas le devoir à une quelconque promesse signée sous la contrainte. Ceci n'est pas une réponse.
Vous reconnaissez ce document? Je l'ai dérobé à ma mère ce matin. Et voilà ce que j'en fais. Mademoiselle Constance Weber, acceptez-vous de devenir ma femme? Elle veut l'accord majeur, sa main pour la conduire, éprouver son ardeur dans une symphonie de soupirs, violon le désir. Et quelle concupiscence! Immédiatement! Mais oui, mais bien sûr, crétin! Oh non, mon Dieu, je le savais! J'aurais jamais dû laisser faire, jamais! Ce soir, c'est la première de l'enlèvement au sérail, et tout Vienne attend le premier coup de baguette de cet excité de Mozart comme l'événement de l'année. Oh mon Dieu, et Salieri! Salieri, cet imbécile qui me dit. Avec sa queue de cheval, comme ça, qui me dit « Oui, alors vous verrez, Rosenberg, la confusion de cette musique indisposera la cour et l'empereur, et tout rentrera dans l'ordre !» Quel imbécile, mon Dieu, quel imbécile! Et si au contraire, cette confusion, comme il dit, les séduisait tous? On ne sait jamais, vous êtes là, vous me regardez avec vos yeux ébahis, oui, on ne sait jamais! Parce qu'en cherchant bien, on peut y trouver quand même deux, trois moments audibles. Enfin, efficaces, c'est vrai, convenons-en. Tenez, par exemple, l'ouverture, l'exposition. Ça, c'est magique, j'en pleurerai. Tenez, écoutez ça, mes amis, écoutez. Petit pas. Arabesque? Je plaque! Et attention, French cancan! Mayonnaise! Oh mon Dieu, j'adore encore ça! Ben, ses pieds me disent quelque chose. Ben, je vais remonter pour voir, au cas où on aurait des indices. Ah! Oh mon Dieu, c'est vous, Salieri. Vous m'avez fait une de ces peurs. Dites-moi. Oui? Rosenberg. Ah oui? La musique de Mozart vous plaît tant que ça? Pas du tout, pas du tout, pas du tout.
Au contraire, je pestais de rage. Ah, vous pestiez. Oui, je pestais. Oui. Vous pestiez de rage. Oh là 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 là, Salieri, oui, de rage. Oh rage, oh désespoir. Oh vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie, Salieri. Je vous ennuie? Non, je baille. Au Corneille, bien sûr. Salieri, ce soir c'est la première de l'enlèvement, c'est vrai. Mozart ne peut pas, ne doit pas réussir. Alors, j'ai devant l'empereur quelques amis qui seront réservés à cet opéra de Mirliton, les sifflets qu'il mérite. Psst. Eh bien, faites, mon ami. Oh oui, oh oui, oui, ça je fais, oui, oui. Écoutez-les, écoutez-les. Quel triomphe, maestro. Merci. Salieri et Rosenberg sont vaincus. Vaincus, mon ami. Humiliés, vous voulez dire. Mon amour, je suis fière de toi. Oh. Qu'ils sont mignons. J'ai toujours su qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Alors, les amis. 32 notes. 32 notes. Excusez-moi. Excusez-moi. Pourrais-je parler au maestro Mozart, s'il vous plaît? Il est devant vous, monsieur. Je me nomme Lorenzo da Ponte, auteur et poète, à la cour. Oh, mes amis, me voici à ce point célèbre que Lorenzo da Ponte, auteur des livrets du maestro Salieri, nous honore de sa visite. Que voulez-vous au juste, monsieur? Eh bien, j'aimerais écrire un livret d'opéra pour vous. Mais visiblement, le moment est mal choisi. Je repasserai demain. Non, non, restez, je vous en prie. Je vous en prie, d'apprendre. Restez. Les amis, amusez-vous, buvez à notre succès. Allez-y, allez-y. Allez-y. Le grand Mozart revient à la musique. Voilà. Je vous écoute. Bien, je vous propose un argument léger tiré d'une comédie de Carlo Goldoni, qui sera bien dans le ton qu'affectionnent nos Viennois. Vous en connaissez comme moi les limites. Les limites? J'ai mieux. Le mariage de Figaro. La pièce de Beaumarchais. La pièce de Beaumarchais. Mais l'empereur l'a fait interdire à Vienne. Eh bien, vous le convaincrez. Oh quoi, de revenir sur sa décision? Oui. Mais jamais il n'acceptera. Cet ouvrage a provoqué un véritable scandale en France. Et les rumeurs de révolution s'amplifient partout en Europe. Ta bonté. Ce que je veux faire vivre ne sont pas les idéaux révolutionnaires, mais la déchirure des passions humaines. Figaro me touche infiniment. Sa révolte est celle d'un homme libre. Un valet qui donne la leçon et ridiculise un comte. Les Viennois, votre public, Mozart, ne vous suivront pas. Oh, si, da Ponte. Oui, avec votre talent et ma musique. Nous le gagnerons, hein? Acceptez, acceptez. Vous êtes fou. Ce soir, Sa Majesté l'Empereur Joseph II assistera en son théâtre impérial à la répétition générale des Noces de Figaro. Opéra bouffe en quatre actes, présenté par messieurs Mozart et da Ponte. Mais enfin, que se passe-t-il? Pourquoi l'orchestre ne joue-t-il pas? Quelqu'un peut me dire? Da Ponte, que signifie cette pantalonnade? Que votre majesté veuille bien nous pardonner, mais nous n'avons fait que respecter sa volonté.
Ma volonté, tiens donc. Arrêtez tout. Majesté, infiniment désolé, mais... Mais monsieur l'intendant Rosenberg... Oui. ...a censuré, supprimé et jeté au feu la danse de mon final. Voilà. Il paraît que sa majesté ne tolère pas de ballet sur son théâtre. Psst, Rosenberg! Oui, votre majesté? D'où sortez-vous cette ânerie? Eh bien, votre majesté, je rappelle simplement que depuis fort longtemps, l'usage n'admet pas la danse de ballet, voilà tout. Eh bien, je vous rappelle que je me moque des usages, que je veux voir et entendre ce ballet. Est-ce clair? Je ne vois pas grand-chose, votre majesté, mais c'est très clair. Enfin, Salieri, on croit rêver. Votre majesté, ceci est inacceptable. Votre majesté, ceci est inacceptable. Rosenberg! Salieri, reprenez les choses en main, s'il vous plaît. Mozart. Oui? Veuillez reprendre votre finale avec l'orchestre, s'il vous plaît. Ah, il me plaît assez, en effet. Merci, monsieur Salieri. Merci, monsieur Salieri. Imbécile. Imbécile. Vous êtes complètement malade, vous voulez ma perte? C'est moi qui vous sauve de ce mauvais pas dans lequel vous êtes fourré, et moi avec... Ah oui, en faisant triompher Mozart aux yeux de l'empereur, merci bien! Vous ne comprenez pas, Rosenberg. Mozart est perdu. Psst, foutaise! Foutaise! Figaro est un affront à la noblesse. Elle ne lui pardonnera jamais. Le scandale est tout proche. Alors maintenant, écoutez-moi bien. Répandez des rumeurs dans les salons. Semez la zizanie dans la troupe. Corrompez-les, s'il le faut. Et quand le fruit sera mûr, alors nous retournerons voir l'empereur. Il nous écoutera. C'est bien, ça, Salieri, c'est très très bien. Je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi, absolument. Bien. Allez. Allez. Et pourtant, Figaro est un pur chef-d'œuvre. Sublime. Cette nuit, intenable insomnie, la folie me guette. Je suis ce que je fuis, je suis cette cacophonie qui me scie la tête. Assommante we
dans concerto. Je joue sans toucher le pot. Mon talent sonne fort. Je noie mon ennui dans la mélomanie. Je tue mes phobies dans la désharmonie. Apporter ma contribution à votre petite et pitoyable fête. Fini les noces de Figaro, annulées, retirées de l'affiche, sur ordre de Sa Majesté, bien entendu, vous l'aurez compris, enfin j'espère. Vous mentez. Jamais l'empereur ne trahira mon mari. Mm-hmm. Oui, c'est plutôt vous qui l'avez monté contre Mozart, avec vos calomnies. Wolfgang est le plus grand compositeur de Vienne, monsieur. Ouais. Laissez-moi rire. Vous direz à votre grand compositeur de Vienne qu'il n'est plus rien. Que dès demain, toutes les portes lui sont refermées. Plus personne ne voudra de lui, vous entendez? Personne. Personne! Don Juan, reprends-toi. Non, je ne me repens pas. Misérable, c'est le dernier instant. Non! Va-t'en loin de moi, vieillard. Je n'ai pas peur. Mon cœur est ferme dans ma poitrine. Donne-moi ta main, engage! Oh, c'est bien ça, c'est très bien. Enfin, la panté, venez, que faites-vous? Mais... mais jouez avec moi, mais... La main, donnez-moi la main. Enfin, Wolfgang, il faut bien écrire. Écrire, écrire! Est-ce que j'écris, moi? La musique est dans ma tête. Je l'entends. Le pas du commandeur, il s'approche. Rythme pointé. Enchaîné d'apanté. La terre s'ouvre sous les pieds de Don Juan, figé devant sa mort. Alpha, cas de tonnerre, violence des cuivres, des timbales. Il disparaît dans un cri. Ré majeur, l'accord final. Feu de l'enfer. Thank you.
vous arrive-t-il, mon ami ? Je ne sais pas. J'ai un mauvais pressentiment. Mon père. Il m'appelle. Il m'attend. Il faut que je parte pour Salzbourg. Vous n'y pensez pas ? Avant qu'il ne soit trop tard, il est très malade. Mais les répétitions débutent dans un mois et nous n'avons pas un acte de prêt. Lorenzo. Je lui dois tout. Sûrement pas votre génie. Le génie. Mais le génie, c'est aussi l'amour qu'il m'a donné. Et sa passion pour la musique. Tant il a fait toute ma vie. Mon père est mort. Monsieur Mozart. Que me voulez-vous ? Ne posez pas de questions. L'homme qui m'envoie vous tient pour le plus talentueux des compositeurs. Et qu'attend-il de moi ? Que vous composiez une messe des morts. Un requiem. Mais pour qui ? Ça n'est pas votre affaire. Voici Saint-Lucas. Vous en aurez autant à l'achèvement de la partition. Travaillez avec tout le soin possible. L'homme est connaisseur. Saint-Lucas. Saint-Lucas, Wolfgang, nous sommes sauvés. Oh non. Non, Constance. Cet homme n'est pas de notre monde. Il est venu de l'au-delà pour m'annoncer la fin. Mais non.
Ah, mes amis, quelle belle soirée. C'était une très belle soirée. L'empereur tout empanaché devant notre Salieri, intronisé maître de la chapelle impériale, tel Atlas portant la terre jusqu'aux nuées, c'était très émouvant. Vous savez, je suis très fier du petit. Ben oui, parce que c'est un peu grâce à moi si tout cela arrive, hein. Oui, 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 il est tellement modeste, il est tellement discret. D'ailleurs, où est-il? Là. Ah, le voilà. Dieu prête longue vie à notre ami et compositeur, Antonio Salieri. Bravo! Je me croyais l'élu en volant une histoire, mais je me suis perdu pour gagner, à vaincre sans vertu, en triomphe sans gloire. L'honneur vaut mieux que le trophée. Le miroir fut mon regard pour ne pas voir que je suis victime de ma victoire. Oui, je m'avoue vaincu par le goût du pouvoir, parvenu en haut sans m'élever. Je suis prince incongru d'un talent dérisoire, me faire aimer des autres sans aimer. Le miroir fuit mon regard pour ne pas voir que je suis victime de ma victoire. Victime de ma victoire. Mieux vaut être victime d'une victoire que souverain d'un rêve illusoire. Salieri, solitaire et déshonoré comme ce pauvre Mozart, réduit à composer un conte sur le bonheur. Oui, le Pippo bavard, je crois. Ah non, 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 mon Dieu, ça y est, ça me revient, où fais-je la tête? La flûte bouchée. Cessez de vous moquer, monsieur. C'est la flûte enchantée, la flûte enchantée. Ah oui, 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 oui. Une farce, pauvre farce de conteur pour artistes aphasiques et désenchantés. D'ailleurs, comment ça fait-il, s'il vous plaît? Attention, pardon. Pa, pa, pa. Tout ça. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. La flûte bouchée, le pauvre bavard, mais c'est Mozart qu'on assassine. Victime de ma victoire. Voilà, je l'ai. Sussmeyer. Oui, maître. Notez, écrivez. Bien. Écoutez. Lacrimosa. Les larmes. Lacrimosa. Ré mineur, première mesure. Fa de dièse ré. Troisième mesure, l'entrée du thème. Legato. La fa ré ré do. Cinquième mesure. Enfin l'espoir.
la montée des cœurs, tous partons, puis demi-ton, si est au naturel, l'inaccessible. Ma musique me dépassera. Les yeux, la lumière. Maître. Pauvre Mozart, on le dit reclus chez lui, la santé bien déclinante. Oh. Il raconte partout que la mort lui aurait passé commande d'un requiem pour ses propres funérailles. Pour ses propres funérailles? Non mais quelle dérision! Vous ne trouvez pas, vous, d'apanté? Monsieur, tout ce qui touche Mozart me touche également. Et le mépris avec lequel vous le traitez me répugne. Constance. Wolfgang! J'ai la maladie de votre mari. Et je voulais vous proposer mon aide. Ah oh. Oh non, monsieur. Rien. Après tout le mal que vous nous avez fait, rien. Antonio, c'est vous? Merci. Comment allez-vous? Falfi, reste couché. Repose-toi. Partez, je vous en supplie. Vous voyez bien que c'est pas le moment. Salieri, Salieri. Vous savez, Salieri, je ne parviendrai jamais, jamais à le terminer, mon requiem. Mais si, Mozart, vous guérirez. Ah non, non, mon ami, la mort est là. Oh, ne dis pas ça, Wolfgang, je vais chercher le médecin. Constance, ça ne sert plus à rien. Je veux seulement voir Sussmeier. C'est lui. C'est lui qui doit terminer le requiem. Va le chercher. Il est où? Là, sur la table, il y a tout ce qu'il faut. Les notes, les esquisses. Mais maintenant, Constance, fais-le pour moi. Va, je t'en prie. Va. Sans savoir où mal les souvenirs, notre vie défile en l'espace d'un soupir. Nos pleurs, nos peurs ne veulent plus rien dire. On s'accroche pourtant au fil. Désir qui est encore.
ne cesser de maudire s'il faut mourir. Autant vivre à en crever tout votre avenir pour tout immoler.
merci beaucoup d'être venu nous voir ce soir. On espère que vous avez passé un bon moment. Pour vous dire au revoir, on va chanter tous ensemble, si vous le voulez bien, la sa symphonie. 3, 4. Cette nuit, à de la basse la folie me guette. Je suis ce que je fuis. Je subis cette cacophonie qui me scie la tête. Assommante harmonie, elle me dit tu paieras tes délits. Quoi qu'il advienne, on traîne ses chaînes. Ses peines. Tout le monde, je vous mes nuits à la sa symphonie.
J'ai vu la mort saigner la mer, tous les regards vers l'éphémère. Je vois fleurir le jour nouveau, je crois le rire du fou là-haut. Je veux saisir tous les mystères et m'affranchir de l'éphémère. Du phare sur tes idées pâles, on va faire tanker les étoiles bien plus haut, bien plus haut. Allez, viens.